Bonsoir et bienvenue à la traditionnelle cérémonie des vœux. Qu'il s'agisse de manifestations culturelles, de rencontres sportives, d'inaugurations, de fêtes, de mises à l'honneur ou de l'accomplissement du devoir de mémoire, l'année 2017 fut une fois encore riche en événements. Et vous êtes venus nombreux à chacun de ces rendez-vous. Nous vous en remercions. Que vous soyez responsable associatif, membre des corps constitués, élève ou enseignant, commerçant, vieux condéen, vieux condéenne, nous vous savons gré de votre implication dans la vie de la cité. Elle est à notre sens nécessaire à l'apprentissage du mieux vivre ensemble. Rien moins qu'un exemple pour une jeunesse parfois en manque de repères. Et peut-être une aide dans ce monde qui change et tente à nous effrayer plus qu'il ne nous rassure. La vie à Vieux-Condé, ce sont aussi de nouveaux services pour les 10 284 personnes qui y résident. En mairie, vous pouvez désormais vous paxer, réaliser et venir retirer vos passeports ou vos cartes d'identité. Dans le centre, tous les services liés à la jeunesse sont désormais accessibles dans un seul et même bâtiment. Le pôle senior accompagne chaque jour davantage, au mieux, nos chers retraités. Des navettes sont ponctuellement mises en place lors des événements importants. D'autres améliorations restent bien sûr à venir. Le bien-être des seniors, l'accueil des enfants, la sécurité et la qualité de vie de tous, l'aide sociale, l'environnement, l'information sont autant de priorités que nous partageons avec vous. 2017 écoulé, nos projets prennent forme et nos perspectives d'aménagement ne ralentissent pas. La cité Taffin, chantier phare de la ville ces dernières années, touche à sa fin. Notre partenaire, Maison et Cité, aura terminé l'ensemble de la réhabilitation des logements pour le mois d'avril. Autre chantier bientôt à terme, avec une livraison prévue avant la fin de ce premier trimestre, la résidence autonomie de la solitude. Les 6 logements individuels sont d'ores et déjà en service et occupés par des résidents. Concernant les aménagements de voirie, la ville maintient son engagement pluriannuel avec des travaux sur les secteurs des rues Stradi, Lannoye, Victor Hugo et Bellurier, ainsi qu'un aménagement de la rue du 8 mai, fait en concertation avec les utilisateurs et notamment les collégiens, qui ont été reçus en mairie pour travailler avec les services techniques autour de ce projet. En 2018, le projet d'extension du parking du 8 mai va pouvoir commencer. Par ailleurs, de nombreuses études ont été réalisées l'an dernier et vont pouvoir se concrétiser dès 2018. L'aménagement du cimetière, et plus précisément d'un jardin du souvenir, en sera l'un des premiers exemples. Le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, PNRQAD, va voir à partir de mai 2018 l'élévation des premières constructions pour l'îlot Gambetta d'Hervaux, avec dans un premier temps les logements sociaux et cellules commerciales. En lien avec Valenciennes Métropole, la ville de Vieux-Condé s'est inscrite dans une démarche novatrice, afin de proposer une offre de logements abordables en accession à la propriété dans le centre-ville. L'îlot entrée de ville Bellurier, dont les acquisitions ont été réalisées en totalité, sera démoli cette année pour laisser place à 15 nouveaux logements. Comme vous le savez, l'équipe municipale fait de l'éducation et la jeunesse l'une de ses priorités. Un permis de construire a donc été déposé pour la construction d'un second pôle de cantine scolaire qui verra le jour deuxième semestre 2018 dans la cour de l'école Joliot-Curie. Nous en profitons pour remercier le centre d'habitat Les Peupliers qui nous met à disposition un local afin de permettre aux enfants vieux-condéens de déjeuner le midi dans les meilleures conditions. Mais c'est avec le projet de construction du groupe scolaire du Mont de Perrué qui aura été travaillé et partagé avec l'ensemble des partenaires intéressés, les corps éducatifs, parents d'élèves, conseils citoyens, que nous sommes heureux de vous présenter le programme retenu. Un dépôt de permis de construire est prévu pour les prochains mois et un commencement des travaux pour la fin de l'année 2018. La ville de Vieux-Condé prend aussi le pli de la transition énergétique. Elle continue de s'engager pour l'environnement, avec par exemple l'acquisition de 2 nouveaux véhicules électriques dans sa flotte. Le marché d'éclairage public avance lui aussi avec plus de 70% du parc rénové en LED. Enfin, comme prévu, le déploiement de la fibre commencera cette année. Nous vous souhaitons donc une année de progrès et de partage.